نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر ميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, nous continuons notre khutba aujourd'hui encore avec celui qui est le plus aimé d'Allah, les mosquées. Ce sont les lieux de culte consacrés uniquement à l'adoration d'Allah. Il est très beau dit, « Fi buyutin adina Allah an turfa wa idhukara fiha smuhu يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Quand Allah a permis qu'on élève et où son nom est invoqué, le glorifiant en elle le matin et après-midi, par des hommes, ni le négoce, ni le troc, ni les distraits de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat, de l'acquittement de la zakat, et redoute un jour où les regards ainsi que les cœurs seront bouleversés. Les mosquées, c'est là où on trouve la guidance. Les mosquées, c'est là où on trouve la lumière. Et nous revenons à ce verset coranique qui se trouve dans le chapitre qui porte ce nom, la lumière, car la situation qui se trouve, que Allah a exemplifié dans ce surah, c'est la même qui va vraiment se reproduire dans l'au-delà. Quand il est très beau dit, Allah nuru samawat wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Dans ce verset coranique, Dieu le Très-Haut, il nous parle de sa lumière. Mais les savants religieux disent que ça veut dire la guidance. Allah est la lumière des cieux et de la terre. C'est lui qui guide ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. C'est Allah qui les guide. Celui qu'Allah a guidé, c'est lui qui est guidé. Celui dont il a privé de sa lumière, il n'aura aucune lumière. Et il nous donne un exemple. Il dit sa lumière est comme une niche où se trouve une lampe. Une lampe dans un récipient de cristal, comme un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni qui est olivier, qui n'est ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans bien que le feu le touche. Lumière sur lumière. Ici, Dieu nous parle du cœur du croyant. Le cœur du croyant, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « At-taqwa ha-huna ». La piété se trouve où? Dans le cœur. C'est la place, c'est dans le cœur. Il dit « Allah, inna fil jasad mudra, in saluhat, saluha al-jasad, wa in fasadat, fasad al-jasad, Allahu al-qalb ». Si il est bon, ce morceau de chair, tout le corps sera bien. Mais s'il est corrompu, c'est tout le corps le sera. C'est le cœur. Dieu le Très-Haut l'exemplifie alors comme une boule de cristal. Et cette boule de cristal est tellement claire qu'il ressemble à une étoile brillante. Imaginez-vous le contenu, même le cœur, il est brillant comme un astre de grand éclat. Dans ce cœur, il y a la lampe. Et la lampe, c'est la guidance. C'est le Coran, c'est le Hadith, c'est les signes d'Allah que le croyant contemple. Et la lampe a besoin de combustible. Ce combustible, sa provenance est un arbre. Cet arbre, c'est comme un olivier. Il est tellement bien placé que le soleil le balaye, car il n'est ni oriental ni occidental. Et c'est l'huile, le savoir religieux dit, il dit c'est la nature originelle, la prédisposition d'accepter la vérité que Dieu a mis dans chacun de nous, qui est Al-Fitra. Dès que ça touche le Coran, ça donne la lumière. Ça donne la lumière. Donc on voit le cœur lui-même, il est éclairé. Le combustible qui est lui est éclairé aussi. Quand tu mets le feu, la flamme qui sort vraiment est éclairée. C'est la lumière sur la lumière. C'est où on trouve ça? Fibuyotin. Dans des maisons. Car Allah a permis qu'on l'élève et que où son nom est glorifié en elle le matin et le soir. C'est dans les mosquées. C'est dans les mosquées. Dans l'opposé, vous avez vraiment celui qui s'écarte de la mosquée, qui est dans les ténèbres, qui est dans l'obscurité. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّ يَحْسَبُهُ فِي بَحْرِ اللُّجِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Dans ce verset aussi, il nous parle l'autre opposé qui s'est éloigné de la mosquée, qui est dans l'obscurité, qui est dans les ténèbres. C'est comme quelqu'un dans une plaine désertique. Il voit loin un mirage, il croit que c'est de l'eau. Quand il y vient, il trouve qu'il n'y a rien, mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier. Ou des ténèbres sur une mer profonde, très profonde, où la vague l'entoure. Ces vagues-là encore, il y a au-dessus de ces vagues d'autres vagues. Au-dessus de tout, il y a des épais de nuages, des ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Celui qui a la prive de sa lumière n'aura pas de lumière. Nous avons parlé de ces situations, car crois-moi, et ça c'est la vérité, et c'est ce qui le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, que la personne qui est privée de la lumière d'ici-bas, il sera privé de la lumière dans l'au-delà. Le jour où il y aura des ténèbres, le soleil sera obscurci,
et que les étoiles deviendront ternes. Ces jours-là, seule la lumière d'Allah existera. Ceux qui seront vraiment ont suivi la lumière d'ici, c'est eux qui auront la chance vraiment d'avoir cette lumière dans l'au-delà. Dit le très haut, dit يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورعكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب. Quand vous méditez sur ces versets coraniques, identiquement ce que nous avons dit dans Sourate Nour, c'est ce qui va se reproduire dans l'au-delà. Il dit, quand tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Pourquoi à leur droite? C'est ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont cru et ils l'ont exécuté ses ordres. Les croyants, leur livre sera remis par quoi? Avec la main droite. Et le paradis aussi se trouve à droite. Quant à gauche, c'est l'enfer. Et à droite, il n'y a que des lumières. Tu verras des croyants et des croyants, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Quant aux hypocrites, ils diront à ceux qui ont cru, attendez-nous afin que nous entreprenions un peu de vos lumières, pour que nous puissions avoir un peu de votre lumière. Et on les dira, reculez-vous et cherchez la lumière derrière vous, car vous n'avez pas subi la guidance, et aujourd'hui aussi, vous n'aurez pas la lumière. En ce moment précis, un mirage se redressera entre eux. À l'intérieur, il y a la miséricorde d'Allah, c'est le paradis, et à l'extérieur, c'est l'enfer qui lui nous en garde. Et c'est pour cela, la mosquée est très centrale. Le fortuné, celui dont le cœur est attaché à la mosquée. Le perdant, celui qui se met à l'écart de la mosquée. Car c'est dans la mosquée qu'on trouve la guidance. Dans la mosquée qu'on trouve cette lumière. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ma min thalathatin fi badwin ou fi qariya la tuqam ou la yuqam fihim salat illa stahwada alayhim shaytan fa alaykum bil jama'a fa innama ya'kul adh-dhib ذئب الغنم القاسية. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas trois personnes dans un village ou lointain ou n'importe quel endroit où ils n'appliquent pas la prière en commun. C'est-à-dire, ils ne trouvent pas un endroit où vraiment de se réunir et accomplir la prière sans que le Satan, le diable, les met sous sa férule, sous sa domination. Il nous exhorte alors d'être assidu aux prières communes, car le loup ne mange que la brebis éloignée. Donc ça veut dire que la personne dont le cœur est attaché à la mosquée, il sera vraiment à l'abri de la tentation de Satan. Et ça serait important. C'est pour cela, le croyant, l'un des savants religieux disait ceci. Il dit, pour guider une personne, il suffit seulement de l'amener jusqu'à la mosquée. S'il franchit la porte de la mosquée, la mission est accomplie. Oui, pourquoi? C'est Dieu lui-même qui lui prendra en charge. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abi Darda, kana yaqul ibni, ya bunayya, liyakunu al-masjidu baytak. Fa inni samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, al-masajid baytul muttaqin, buyut al-muttaqin. Fa man kana al-masjidu baytuhu, damina Allahu lahu, birrahu wa rawha, wa al-jawad, ala sirat ila al-jannah. Il dit, mon enfant, que la mosquée soit ta demeure. Tu prends la mosquée comme ta demeure. Car il est la demeure des pieux. J'ai entendu le prophète dire sallallahu alayhi wa sallam que quiconque prend la mosquée comme sa demeure, Dieu lui garantit trois choses. La miséricorde, la sérénité et passage sur le pont de Sirat qui est surplombé sur l'enfer vers le paradis. Et ce pont est tellement mince, que c'est difficile même de le voir l'œil nu. Et ces jours-là, c'est dans l'obscurité totale. Ceux qui passeront sur ce pont, qui seront dotés de lumière, ça sera leur degré vraiment de croyance, je veux dire même leur degré vraiment d'attachement à la mosquée. Et d'autres seront ressuscités avec. On ne parle même pas de la lumière de leur côté. Ils seront ressuscités avec, car ils n'ont pas suivi la guidance.
pour te dire combien de fois il est très important d'être attaché à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici vraiment que Dieu garantit à quiconque le cœur est attaché à la mosquée, c'est privilège. Dieu a fait l'éloge à ceux qui peupleront la mosquée. Il leur a rendu un vibrant hommage quand il dit « Innama ya'amur masajid Allah, man amana billah, wal yawmil akhir, wa aqama as-salat, wa ata az-zakat, wa lam yakhsha illa Allah. » Ça, c'est un hommage, un témoignage de la part de notre Seigneur qui ne populeront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah, qui acquittent la zakat, qui accomplit la salat, qui ne craignent que Allah. Il se peut que ceux-là soient parmi les bien guidés. Donc, c'est très important. C'est pour cela qu'il est dit « Iza ra'aytum rajul ya'tab al-masjid, fashhadu lahu bil iman. » Quand tu vois une personne, il est assidu à la mosquée. Son cœur est attaché à la mosquée, tu peux lui témoigner la foi. Tu peux lui témoigner la foi. C'est pour cela que la mosquée est très importante. Et cela, Dieu a accordé des succès et récompenses énormes pour ceux qui peupleront la mosquée. Que ce soit la construction de la mosquée, mais ce sera une brique, l'espace de quelques centimètres seulement. Quand il dit « Mambana lillah baytan » mais ce sera que la taille du nid de l'oiseau gangan, Dieu lui construira une maison au paradis. Et on sait, le paradis, personne ne peut décrire l'ampleur. Ça seulement qu'il aura construit pour Allah cet espace aussi infime, que ce soit quelques centimètres seulement. Aussi, ceux qui prendront soin de la mosquée, nettoyer la mosquée, prendre soin, purifier. Et ça ne serait qu'un brin de paille que la personne aura débarrassé la mosquée de ça, sera inscrit aussi à son actif. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Uridat aliyya ujura ummati fiha al-qazab yukhrijaha al-rajul min al-masjid » ou comme le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'on lui présentera les bonnes œuvres, les récompenses de sa communauté. Figure parmi ces récompenses un brin de paille que la personne a débarrassé la mosquée, vraiment, qui a fait sortir un brin de paille de la mosquée. Il sera inscrit dans ton actif pour te dire combien de fois il est important. Et quand on parle de la propriété, on parle de tout sens, que les gens qui visitent prennent soin de la mosquée, ceux qui administrent aussi faire leur devoir. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfirunna wa ghufrur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, nous parlons de la mosquée car il est central dans notre vie. C'est à partir de la mosquée que la lumière qui a illuminé les ténèbres de ce bas monde a jailli. À partir de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de Kaaba, à partir des autres mosquées, comme toutes les mosquées qui se trouvent sur cette planète. Donc c'est très important car Dieu les considère, Dieu a élevé leur statut en les associant à lui. Wa annal masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada. Que les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquer d'autres personnes avec Allah dans cette mosquée. C'est très important. Ce qui nous amène à parler de la bienséance de la mosquée. Car tous ceux qui visitent la mosquée est considéré comme les invités d'Allah. Dans un affaire. Je peux dire ainsi, car il conflit dans l'authenticité. Mais ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith al-Qudusi, anna Allah azza wa jalla qala, buyuti fil ard al-masajid, wa duwari fiha ummaruha, wa haqqun ala al-madur an yukrima dha'irahu. Dans ce hadith al-Qudusi, Dieu le Très-Haut dit, il dit que ma maison, mes demeures sur cette terre sont les mosquées. Ceux qui m'y visitent sont ceux qui peupleront les mosquées. Et ils se donnent le devoir d'honorer les gens vraiment qui les visitent dans les mosquées. Si Dieu t'honore, avec ce privilège que nous venons de dire, avec cette récompense énorme que Dieu nous a donnée, y compris ceux qui peupleront par leur fréquentation quotidienne. Imaginez-vous que la personne, dès qu'il quitte chez lui, en se rendant à la mosquée, chaque pas l'élève d'un degré au paradis, et chaque pas efface son péché. S'il rentre dans la mosquée, il y a un autre salat, madame salat tahbisuhu,
او ما دام ينتظر الصلاه وتصلي عليه الملائكه اللهم يغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث او يؤذي داسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم دي كان لا كفصن كيت شي لوي ان سي راندا لا موسكي شاك با لي فاس ان بيشي لوتر فريمان اكوا sa bienfaisance, l'élève d'un degré au paradis. Et s'il est rentré dans la mosquée, il est considéré être en prière aussi longtemps qu'il entend l'autre prière. Et les anges invoquent Allah pour lui. Seigneur, pardonne-lui, accorde-lui ta miséricorde aussi longtemps qu'il n'a pas perdu ses ablutions ou yudhi. Ça fait de vraiment faire des choses qui ne sont pas conformes à l'honneur et la grandeur de la mosquée. Donc c'est très important de respecter ceci. Les bienséances de la mosquée. Et la première chose que la personne doit faire, c'est de se purifier. La purification en islam, c'est interne et externe. Interne et externe. Et la meilleure purification, c'est celle qui concerne le cœur. Purifier son cœur de toute association ou de l'obstantation. Car il y a Shirkul Aswad, il y a Shirkul Akbar. Shirkul Akbar associé à Allah dans l'adoration. Le minime, Aswad, c'est vraiment l'ostentation. Donc la personne, d'abord, la première chose, innamal amal bin niyat, en quittant chez lui, qui purifie son intention, qui ne cherche que la face d'Allah. Et la deuxième chose, purifie aussi son corps. Quand on a vu, on a cité les hadiths que nous venons de citer. Tout ce qui nous parle de cette récompense énorme, qu'Allah accorde à ceux qui se rend à la mosquée, il a mis comme condition, la première chose, monte pas hara. فأحسن الطهور من توضع فأحسن الوضوء من اغتسل وغسل dans toutes, tu verras toutes conditions. La première, celui qui se lave et il se lave bien. Celui qui fait les ablutions et il le fait bien. Celui qui se purifie, il se purifie bien. Donc c'est pour cela qu'on encourage les gens. Vraiment, en quittant chez soi, venant à la mosquée, la meilleure chose vraiment, afin de profiter de tous ces privilèges, essaie de faire prendre l'ablution chez toi. Car tu es considéré entrer dans la prière aussi. Dès que tu quittes chez toi, donc c'est mieux qu'il soit l'ablution. On voit très bien dans ces autres hadiths quand il dit « Tussalli alayhi malaika allam irfir lahu warhamuhu ma lam yuhdith » que les anges continueront à prier pour la personne, invoquer pour la personne aussi longtemps qu'il n'a pas perdu ses ablutions. Donc, avoir ses ablutions et garder ses ablutions est une condition essentielle. Ce qui vraiment nous amène à dire vraiment c'est important que la personne se purifie chez lui et il prend cette ablution. Et la purification, quand on parle de nettoyage de la mosquée, prendre soin de la mosquée, l'odeur en fait partie beaucoup. Nous continuons, Inch'Allah, de parler de bienséance future. Mais ce point-là, essayons vraiment de parler là-dessus, car il est important. Quand on regarde la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré le bain rituel durant vendredi, l'une des causes, quand tu relis les hadiths, c'est pour chasser les mauvaises odeurs. C'est pour chasser les mauvaises odeurs. La mosquée vraiment doit être à l'abri de ça. Et c'est pour cela dans d'autres hadiths, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل هذه الشجرة أي البثل والثوم والقراء فلا يقربنا في مساجدنا هذا أو فلا يقربنا مساجدنا. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit quiconque consomme l'oignon ou l'ail qui ne s'approche pas de nos lieux de prière. Pourquoi? Parce que l'odeur qui dégage. Donc, même le bain routier, il était dit que c'est les gens qui allaient dans leur champ et venaient avec l'odeur intense. C'est en ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré qu'il sait mieux vraiment que la personne se lave pour chasser cette odeur. On parle ici des gens qui fument des cigarettes, tout juste ils rentrent dans la mosquée, c'est néfaste, c'est pas bon. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innal malaika tata'adha mimma yata'adha minhu al-ins, et que ce qui nuit aux humains nuit aussi aux anges. On parle de tout ça, car quitter chez soi, venir à la mosquée, c'est un grand bienfait. Et la récompense est énorme. Pour pouvoir en profiter, il faut respecter certaines bienséances. Et ces bienséances font partie de ça. Faire des ablutions chez toi, mais surtout se purifier, et aussi faire tout vraiment, quand tu rentres à la mosquée, que l'odeur, essaie de se débarrasser de l'odeur. Et ça, on parle de nos cas, des chaussettes que les personnes portent. Il y a beaucoup de choses vraiment qu'il faut faire attention à cela, afin vraiment de profiter pleinement de cette bienséance, de cette récompense énorme que Dieu nous a accordée. Très chers frères et sœurs, la mosquée est centrale dans notre vie. Quand tu regardes le pèlerinage, « Wallillahi ala nas
C'est un devoir pour les gens qui ont les moyens de visiter la maison sacrée. La maison, donc le Hajj, ce n'est pas la mecque qu'on visite, non, c'est la mosquée. C'est la mosquée. Tout ce qui vient après, c'est secondaire. Et je me permets vraiment de dire que Jumu'ah est aussi un petit Hajj hebdomadaire. C'est pour visiter vraiment les mosquées des quartiers dans lesquels tu vis. Et ça, c'est pour cela qu'il est accompagné avec beaucoup de bienfaits. Que la personne se purifie, que la personne qui va à Hajj, la récompense qui est accompagnée avec cette démarche, dès qu'il quitte chez lui, il est très comparable à cette récompense aussi qui est accordée à la personne qui quitte chez soi pour se rendre à la mosquée durant vendredi. Et je vois très bien ce que vous voulez. Ici, il dit, il dit c'est Yom al-Qiyamah, il dit c'est Yom al-Jum'ah, il dit que c'est Yom al-Arafah, ils sont ensemble. Donc c'est très important que la personne soit assidue à la mosquée, prend soin de la mosquée, et sache que ta relation avec la mosquée déterminera vraiment la lumière que tu procureras dans l'au-delà et vraiment Dieu sait combien de fois on aura besoin de ça. Dans des ténèbres, le jour où il n'y a pas d'autre lumière si ce n'est pas la lumière d'Allah, il n'y a pas d'ombre aussi si ce n'est pas l'ombre d'Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru lillahi wa lakum fa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma inna fima hadith wa ba'athna fima afid wa tawallana fima tawallit wa barik lana fima atait wa sirna anna su'a ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alayk. اللهم لا يذل ما حريت ولا يعز ما عليت بيدك الخير كله يا رب ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ربنا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا وانصرنا لمن عادانا يا رب ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول آفاتك ومن فجاءة نقمتك ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل النور عن يمين أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي قلوبنا اللهم ائتنا نورا يا رب ارحم الراحمين قم إلى الصلاة يا رب الله. Je vous remercie vraiment de solliciter votre générosité.